Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa es la bossa nova, bossa nova, bossa nova. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova. Comme tu veux. Pourquoi t'as décidé de jouer sur Bossa Nova? Alors j'ai décidé de jouer sur Bossa Nova parce que déjà j'aimais bien mon prénom, Ava. Aussi ça m'a plu l'idée parce que j'aime bien l'histoire et je suis fière. Et aussi je voulais aussi découvrir la vie d'une actrice et donc c'est pour ça que j'ai voulu participer à cette série. Voilà. Quelle est la scène qui t'a le plus plu? Alors moi, la scène qui m'a le plus plu, j'ai bien aimé quand Ella et Yumi étaient sur le balcon et que Ella fait écouter son morceau à Yumi. Et j'ai bien aimé ce morceau aussi parce qu'il y a de la musique et c'est aussi une scène familiale et j'aime beaucoup la musique aussi. Et alors bien la question que je vais te poser, c'est suite à cette expérience sur la série Bossa Nova, qu'est-ce que tu penses que ça va influencer dans ta vie d'adolescente? Déjà, comme c'est du théâtre, ça aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. Parce que quand je prends la parole devant des gens, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer. Mmh. Même en classe, pour des exposés, c'est beaucoup plus facile. Et sinon, à part ça, de faire une série, ça permet de voir vraiment le monde du cinéma. Et de voir comment ça se passe derrière la caméra. Mmh. Et du coup, c'est vraiment très très intéressant. Et je pense que du coup, maintenant, quand je regarderai des films, je pourrais vraiment me dire, du coup, derrière cette scène-là, il y avait toute cette préparation-là. Et du coup. De connaître l'envers du décor. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Ma question, c'est quelle est la chose dans la série Bossa Nova qui t'a le plus étonnée? Qu'est-ce qui t'a le plus étonnée dans cette série Bossa Nova? Moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est Corinne Touk. C'est Corinne Touk, pourquoi? Sa méchanceté. Pourquoi? Ça se fait pas ce qu'elle fait. Ça se fait pas. Elle dit que toutes les rues porteront son nom. En plus, c'est impossible. Parce qu'on va se perdre. Elle est pas intelligente. Ouais. On va jamais savoir, à moins qu'il y ait des noms. Bref, c'est très compliqué. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est pas marrant. Et en plus, elle croit que c'est la reine du monde. Mais c'est bon, c'est juste une dictatrice. Hein. Ouais. Toi qui n'as pas encore joué dans le film de Bossa Nova, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce film? C'est les sujets qui sont traités, donc la liberté, la musique, et je pense que ces sujets-là, on en parle beaucoup sans vraiment que ce soit les sujets principaux dans des films. Voilà, exactement. Et à toi, du coup. Tu peux nous chanter ta musique préférée? Did it people want too much too? Did it people want too much? And I don't want your penny. I just want somebody need me, guess. Tu préférais être une gentille ou une méchante? Une méchante. Enfin, les deux, ça me va. Les deux, ça me va. Mes petits bouts de chou. Une petite question. Ça vous a plu de tourner? Oh, ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, surtout quand on mangeait. Même manger la soupe. Non, le truc le plus meilleur, c'était quand on avait pris la soupe parce que c'était trop drôle parce qu'on devait faire semblant que la soupe, elle était pas bonne et qu'on l'aimait pas alors qu'elle était trop bonne. Ça allait tout de mort. Et alors, est-ce que ça vous a donné des idées pendant cette année-là? Oui, de remanger de la soupe. Lors du tournage, qu'est-ce que tu as préféré? Tourner. C'était bien. C'était quand tu jouais, tu préfères jouer avec les gens de ton âge ou avec des grands? Les gens de mon âge. Ouais. Je trouve ça plus drôle. Plus drôle, oui. Et tu sens plus à l'aise aussi? Ouais. Non? Si. Ouais, voilà. Puisque tu seras là aussi la prochaine fois qu'on tournera, qu'est-ce que tu as repéré
à la fin du tournage, quand tout était terminé, et qui t'a frustré, et que tu sais, dans ton jeu, par exemple, ou dans quelque chose qui s'est passé dans une scène, et que tu sais que bah, t'as appris de cette erreur, et que tu la referas pas quand on retournera. Je pense que, à la fin du tournage, je pense surtout, oui, du coup, dans les scènes, si j'ai pas fait une erreur, et en général, ça va, ou même quand ça va pas, Anne et Karima, ils me le disent, et on corrige ça tout de suite, et tout va bien, quoi. Mais en général, à la fin du tournage, je me dis, on peut recommencer, quoi. Ouais, ça je l'aurais fait comme si, ça je l'aurais fait comme ça, on peut faire comme si. Ouais, ou même continuer pour tourner n'importe quoi, mais tourner quoi. Pour le plaisir. Exactement. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est une superbe expérience, et en plus, tourner avec des adultes, ça nous grandit, quoi. Effectivement. Donc, voilà. Théo, Julieta, Popo, Ivan, Pavel, Vlad, Anaosa, Esclet, Ekaouet, Nesma, Madi, Esteban, Mila, Yumi, Manu, Ila, Baby, Sunshine. Est-ce qu'il y a un moment, Majida, qui t'a plu et qui t'a marqué dans le tournage? Oui, tout à fait. Il y a un moment qui m'a marqué dans le tournage. Parce qu'il faut savoir que cette série, c'est une comédie. C'est très amusant, plein de joie, plein d'humour. Et il y a eu quand même un moment d'émotion pour moi parce que je devais ouvrir la porte et découvrir dans un couffin des triplettes qui avaient été abandonnées. Et je sais que ce moment avait été assez fort pour moi, même si ça devait être fait avec beaucoup d'humour, parce que c'est une comédie, bien évidemment. Mais c'est quelque chose, oui, qui m'a marqué. Je me revois souvent en train d'ouvrir cette porte en me disant qu'est-ce que j'aurais fait moi dans la vie, si dans ma vie je m'étais retrouvée dans cette réelle situation-là. Et ben, je les aurais gardés. J'aurais fait comme Mama Rosa. J'aurais eu trois enfants comme cette belle fille et les deux autres. C'est la bossa nova, bossa nova, bossa nova. Bossa nova.